matin, on arrive, on est dans un renne, ceci, d'un farmer. Et puis, il y a une quinzaine de Blue Water Bees sur le dessus d'une montagne. On les a vus au loin, peut-être à 3 km. Fait que là, on va prendre le chemin du cultivateur en arrière de nous ici. On a le vent pour nous autres. On est à levée du jour. On va essayer de les approcher pour vous montrer la shot. On peut les approcher, mais c'est très dur à approcher. Ils sont beaucoup à nous regarder en même temps. C'est très difficile, mais on les essaye. Let's go! Toutes des femelles, ils ont passé à 50 pieds de nous autres à la course. Un autre chasseur s'est levé. Un autre chasseur a fait peur au Blue Water Bees, qu'on pense, ou un autre animal. Puis il n'y avait aucun mâle dans le troupeau, c'était toutes des femelles. C'est pour ça que c'est dur à tuer, c'est qu'il faut trouver le mâle parmi les 15-20 femelles, c'est pas évident. Let's go for another herd. Yeah. On vient juste de repérer environ à 3 km une herde de Blue Water Bees. Et puis là, on a laissé le camion peut-être à 1 km. On monte la montagne. Puis on va essayer d'aller les prendre, essayer d'aller exécuter un tir, mais c'est pas évident. Parce que quand il y a des herbes dans le bas, ça va bien. Puis quand on arrive sur la montagne, c'est rien que du foin. Fait qu'on peut pas trop les approcher. Puis il y a beaucoup d'yeux, beaucoup d'oreilles qui nous regardent. Ils sont tout le temps 15-20 ensemble. Mais on va les essayer quand même. On se revoit plus tard.